Merci donc, Monsieur Paco, pour cette belle conclusion. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous convaincre par un exercice un peu collectif de bien continuer d'adhérer au Comifère. Et donc, j'appelle à mes côtés pour m'aider les étudiants de Bordeaux Sciences Agro, s'il vous plaît, ainsi que ceux de Vétagrosup qui voudraient se joindre à nous et qui connaissent l'importance de vous faire continuer d'adhérer dans les années qui viennent. Voilà. Alors, tous au Comifère, vous savez que le Comifère, il y a plusieurs collèges, c'est-à-dire plusieurs catégories de professionnels. Et on se connaît bien, certes, mais jamais assez bien. Et c'est la raison pour laquelle je vais appeler certaines personnes qui représentent une catégorie de ces professionnels de ces différents collèges. Alors, les personnes que j'appelle sont plus ou moins au courant qu'il va se passer quelque chose, mais je vous jure qu'elles ne savent rien d'autre que... Voilà, on les retenait un petit peu après 6 heures. Alors, au Comifère, vous savez qu'il y a le ministère de l'Agriculture. Donc, j'appelle sur scène, s'il vous plaît, Chloé Morel et Colin Grill. Voilà, vous pouvez vous mettre à côté des étudiants. Je vais appeler tout le monde d'un coup, comme ça, on perdra moins de temps. Vous avez vu, il y a aussi pas mal de chercheurs. Alors, j'ai essayé d'en trouver qui ne sont pas passés sur scène aujourd'hui. Sylvie Recoux, Pascal Denoroy. Au niveau des chambres d'agriculture, mais pourquoi pas Daniel Hanoc, de Bretagne. Les producteurs de matières fertilisantes. Alors, je ne vais pas passer toutes les catégories, mais au moins les engrais azotés, Marc Hervé. Est-ce qu'il est là, Marc Hervé? Ok. Sur les engrais phosphatés, Mathieu Biller et ou Pierre-Yves Tourlière aussi, qu'on a déjà entendu aujourd'hui. Les producteurs de pro, Dominique Billard. Est-il ici? Alors, s'il n'est pas là, s'il y a d'autres producteurs de pro, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, ça fait de la pub gratuite. On souhaitait aussi vous faire rencontrer sur scène les animateurs des groupes de travail. Comme ça, si vous n'êtes pas participant de tous les groupes de travail, néanmoins, vous pourrez voir qui participe, enfin, qui anime. Donc, pour le groupe Azote et Soufre... Bon, alors, David Leduc s'excuse, il est malade. Alors, nous appelons de nouveau Laurent Varvoux. Marc Hervé fait aussi partie du groupe de pilotage, mais là, il intervient en tant que, avec une autre casquette. Alors, pour le groupe SAB, les amendements basiques, Bruno Félix Faure et Hélène Lagrange, les deux co-animateurs. Pour le groupe PK, Stéphanie Sago. Pour le groupe Produits résiduaires organiques, Caroline Leroux et Enguerrand Burel. Et enfin, Mathieu Vallée pour le groupe Fertilité organique et biologique des sols. Voilà, donc on va enchaîner différents couplets qui leur sont dédiés à chacun. On se mettra plutôt voilà, à l'écart. Ils n'ont pas du tout répété avant et ils ne connaissent pas les paroles. Alors, voilà, c'est affiché. Après, je peux aussi donner des papiers, mais si vous voyez ce qu'il y a là,
Et puis sinon, ça vous fera une bonne excuse pour ne pas chanter trop fort non plus. Alors, excuse-moi, pardon. Alors, on va commencer donc avec le couplet dédié spécial ministère. Alors, il faut vous rapprocher. Le ministère, ah, les voilà. On refait le premier, monsieur ? Ah non, on peut refaire le premier pour les mettre dans le bain, en effet. Et puis le ministère, ouais. Les gens que j'appelle, on peut peut-être lire les paroles ici. Venez, entourez-moi au micro. Voilà. On reprend le premier pour... Allez, on y va. Donc là, c'est le ministère. On reprend le début. Non, ce n'est pas le Seigneur. Pascal Denoroy. Ah bon. Bah maintenant, mais... Allez, on y va. 3, 4, je suis le meilleur dans mon labo. Des publics, j'en ai à gogo. Les Chinois, les Américains. Des chambres d'agriculture. Monsieur Hanok. C'est pas facile à lire. On y va. 3, 4. À la chambre, on m'a visité. Quand tout jeune, je suis arrivé au service environnement. Je calculais le bilan. Alors, pour le cœur des laboratoires, évidemment, François. Non, pas trop. Ok. 3, 4. Du sol, on extrait les atomes qui nourrissent les plantes et les arbres. Il y a tout tableau périodique et la zone qui triche. Mais pour interpréter tout ça, je ne m'y dis. Alors, les producteurs d'engrais azotés. Ah, il est parti. Tu me cherches, non ? T'es là-bas ? Bon, tu te mets bien devant un micro, hein ? Oui. Ok, on y va. On est perçus comme des méchants. Les journalistes nous vendent à dents. Mais les jeunes ingénieurs agronomes nous tournent le dos. Et la fixation symbiotique ne suffit pas dans la pratique. Et c'est pour ça qu'on y adhère tous au comifère. Voilà, pour pas qu'il y ait de jaloux, maintenant le phosphore. Voilà. Nous on n'est pas plus à la fête. Le phosphore est sur la sellette. Le cadmium et l'épuisement, c'est bien des tourments. Et là enchaîner les impasses, plus rien ne pousserait hélas. Et c'est pour ça.
ça qu'on y adhère tous au commifère. Les producteurs de pros. Vous restez là-bas ? Ah oui ! Ah voilà ! Il voulait être sûr que c'était pas trop trop piégeux. Mais c'est justement maintenant que ça va devenir. Merci. Nous on fabrique des amendements avec toutes sortes de composants. Mais c'est pas parce qu'il y a du carbone pour en mettre des tonnes. On recherche des coefficients, des ispos, des équivalents. Et c'est pour ça qu'on y adhère tous au commifère. Bon alors là, faut faire une belle chorale autour du micro. Bah, rapprochez-vous tous. Merci. Ah oui, alors il faut que je vous dise, là, il y avait trop de paroles pour pas assez de musique. Donc on reprendra les quatre dernières strophes à droite avec la même musique. Enfin, vous suivez. Je réunis trois fois par an. Et à la fin, je veux vous entendre tous chanter. C'est le dernier. Personne.